Dans le chaudron, le Portugal est venu faire sa tambouille. Face à une Australie en manque de confiance, le Portugal voulait créer la sensation du mondial. À Saint-Étienne, le scénario n'a pas été en leur faveur ce dimanche 1 octobre. Quelles équipes se seraient qualifiées en 2023 avec une Coupe du Monde à 24 équipes ? Des Portugais magiques plombés par un jaune en début de rencontre, l'Australie a voulu mettre du rythme d'entrée de jeu. En sollicitant les avants, ils tentent de marquer physiquement les Portugais dès les premières minutes. Cependant, cette stratégie se retourne contre les Océaniens qui bafouillent leur rugby. Ils parviennent néanmoins à récupérer 3 points grâce à une pénalité. En parallèle, les Portugais ne se font pas prier pour envoyer du jeu. Dès qu'ils rentrent dans les 50 mètres australiens, ils font augmenter l'intensité de jeu. Avec des chisteras, passes sautées et autres petits bijoux, ils font tourner la tête des Golden Green. Finalement, une excellente conquête suivie par un merveilleux mouvement collectif permet au second centre Pedro Bettencourt d'inscrire le premier essai du match. Dies RWC 2023 signe haute tension la sensation portugaise. Les Portugais, menés 3-0 par les Australiens, créent la surprise, ils prennent les devants grâce à ce superbe essai de Pedro Bettencourt 7-3. Index revers pointant vers la droite blanc suivez le direct, https://t.co/dplusvupic.twitter.com/w3jamwef9frostvsport@frostvsport october 1, 2023 cependant, la vista portugaise va rapidement se refroidir. En effet, le numéro 13 du Portugal est coupable d'un plaquage haut et écope d'un carton jaune. En infériorité numérique, les Portugais subissent physiquement. Conscients de leur supériorité physique, les Australiens acculent leurs adversaires. Pendant que les Européens sont à 14, Richie Arnold et ses coéquipiers en profitent pour inscrire 3 essais où les avants font démonstration de leur puissance. À la 25 minutes de jeu, les Portugais sont largement menés. Rugby. Coupe du Monde. Savez-vous vraiment pourquoi l'Australie joue en vert et doré, durant la suite de la première période? Les débats vont se stabiliser. Les Australiens vont continuer à jouer dans le défi physique. Imprécis, ils perdent le cuir et les Portugais regagnent de précieux mètres en jouant à la main. À la 35 minutes, l'ailier Rodrigo Marta est tout près d'être à l'origine d'une action totalement folle. Le trois-quarts casse un plaquage et s'engouffre dans l'intervalle. Il sert ensuite son numéro 7 dans le petit côté. Après une action de 60 mètres, Nicolas Martins plonge dans l'embut. Alors que les Lusitaniens pensaient avoir leur deuxième essai de la rencontre, l'arbitrage vidéo montrera que le troisième ligne est sorti en touche juste avant d'aplatir. Les deux équipes repartent au vestiaire sur le score de 24-7 pour l'Australie. Rugby. Coupe du Monde. La surprenante équipe portugaise bientôt menée par sa fougueuse jeunesse? L'Australie chanceuse en début de deuxième période, les débats penchent du côté australien. Les Océaniens souhaitent enfoncer le clou et obtenir le bonus offensif afin de rester dans la course à la qualification. En envoyant au large à quelques mètres de la ligne, Nawakani Tawaz fixe le dernier défenseur et c'est Ramsay Wright qui plonge dans l'embut. Si les Australiens s'éloignent un peu plus au tableau des scores, les Lusitaniens restent dominants offensivement. Cependant, leur manque de réalisme criant les empêche de revenir dans le match. Les Portugais sont tranchants, mais ils manquent le dernier geste afin d'arriver en terre promise. Électrique, Nuno Sousa Guedes et Jeronimo Portela font tourner la tête de la défense adverse. À côté, les cadres Samuel Marc et Mike Tadger s'agacent de voir des occasions franches ne pas aller au bout. En tribune, le regard noir de Patrice Lagisquet ne semble pas beaucoup plus complaisant. S'ils avaient concrétisé chacune de leurs occasions, la dynamique de ce match aurait été tout autre. Chanceux, mais indisciplinés, les Australiens soufflent un bon coup à chaque erreur de leurs adversaires. Rugby. Des pros, des amateurs, le Portugal avec 18 Français pour préparer la Coupe du Monde finalement. Les Portugais parviennent à concrétiser une occasion. Rafael Simões parvient à aplatir à 10 minutes du coup de sifflet final. Physiquement, les Portugais tiennent jusque dans les dernières minutes. Avec un peu de recul, le carton jaune de Pedro Bettencourt et le manque de réalisme auront été vraiment préjudiciables. Même si la victoire est assurée côté australien, les Golden Green n'ont dominé la rencontre que pendant quelques minutes en réalité.
Comme pour rappeler la hiérarchie mondiale, Corroibet inscrit le cinquième essai australien. En difficulté durant cette rencontre, l'ailier arrange un peu le constat de ce qui est sûrement son dernier match du Mondial 2023. Face aux ultimes offensives portugaises, les soldats d'Eddie Jones tentent de contenir les assauts des loups. À Saint-Étienne, la fin de match est complètement folle. Les deux formations ne veulent pas sortir le cuir et en finir avec le match. Ils relancent avec fougue, mais personne ne parvient à aller au bout. Score final, 34-14 pour l'Australie.